Des champions olympiques et paralympiques à l'école, des rencontres organisées par le département de la Gironde. Ce vendredi, ce sont les élèves de CM2 de l'école Charles Martin à Bordeaux qui ont pu échanger avec 4 athlètes qui participeront au JO 2024. Les enfants avaient bien sûr plein de questions à leur poser. Rachel Contensou était sur place. Es-tu considéré comme professionnel ? Oui, ça fait 5-6 ans, je dirais 6 ans que je suis professionnel et que du coup j'ai des contrats avec des marques. Donc du sponsor. Dans la classe de CM2 de l'école Charles Martin, les élèves étaient curieux d'en apprendre plus sur ces sportifs de haut niveau. Les enfants étaient attentifs, très curieux et à cet âge-là, ils ont que des questions intéressantes qui permettent d'avoir cet échange très particulier avec l'athlète qui, je pense, trouve ce moment aussi intéressant de partager son expérience. Les enfants se précipitent ensuite dans la cour de récréation. Objectif, s'essayer à des disciplines paralympiques. Paula et ses amis ont choisi le morpion en fauteuil roulant. On a des jetons et on est en fauteuil roulant, on doit les placer le plus vite possible pour gagner la partie. Comme ça, on prouve que c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on peut pas faire du sport, on peut pas être champion du monde de JO, de Jeux Olympiques en e-sport. Même si on est en fauteuil roulant ou on a une jambe amputée, on peut quand même gagner. Gagner, c'est ce qu'espère Célia Terki, para-athlète en athlétisme. La jeune femme est atteinte d'une dégénérescence maculaire, une maladie chronique qui lui fait peu à peu perdre la vue. Et on a découvert ma maladie en CE2. J'étais harcelée, c'est vrai que j'ai mal vécu l'école, on va dire. Et là, franchement, c'est clairement une revanche. J'apprécie énormément le moment de partage. C'est plein de questions et puis voilà, ils découvrent aussi les handicaps invisibles. Donc clairement, c'est super. Les Jeux paralympiques se dérouleront du 28 août au 8 septembre prochain à Paris, juste après les Jeux olympiques.